Et Robert, qui a 50 ans, qui habite à Douai, nous a envoyé une question sur Facebook parce qu'il sait que ça peut être une réalité aussi dans son couple. Ça fait 20 ans que je suis avec ma femme et je sens qu'elle s'ennuie un peu dans l'intimité. Comment apporter du piment et éviter qu'elle n'aille voir ailleurs ? Alors, tu as la réaction de tous les deux. Premièrement, on ne peut pas, si un jour, ça, c'est pas pour le rassurer. D'abord, je ne vais pas le rassurer, ensuite, je vais le rassurer. Si une femme décide d'aller voir ailleurs, il peut faire ce qu'il veut, elle ira voir ailleurs. Donc, ça, par contre, il peut faire des choses pour qu'elle n'ait pas cette envie. Parce qu'il parle beaucoup de la sexualité quand même dans la question. La première chose à se souvenir, c'est que la sexualité de la femme ne commence pas au moment où elle est dans le moment sexuel. C'est toute la journée, c'est toutes les soirées, c'est tout le temps en fait. C'est tout le jeu de séduction. Il n'y a qu'à se souvenir au début de la relation comment fait un homme pour donner envie à une femme. Il y a tout ce qui est de l'ordre d'entre guillemets la parade amoureuse. Et donc c'est première chose à faire, c'est de retrouver tout ce jeu de séduction. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir discuter avec elle sans forcément que ça soit lourd, sans forcément que ça soit une sorte d'interrogatoire, mais des discussions légères pour savoir un peu qu'est-ce qui l'ennuie dans la vie actuelle, qu'est-ce qu'elle aimerait changer, quel genre de choses elle aimerait à l'avenir faire, qu'est-ce qu'elle ne veut plus faire maintenant, et un peu à la fois, le faire non seulement sur le plan du quotidien, mais aussi sur le plan sexuel. Quel genre de choses elle a envie d'expérimenter, quel terrain commun ils peuvent trouver sur ce plan-là. Oui. Christelle, tout en regard de femme aussi m'intéresse. Je suis 100% d'accord avec Gilbert. Voilà. Dit. Il se passe un truc. Je rajouterais une chose, c'est que par contre, quand on parle à un homme, parfois va avoir cette envie, ce sentiment de dire, mais même sexuellement, qu'est-ce que tu voudrais Et alors, si on pose cette question à un homme, naturellement, il va dire, je voudrais plus ça. Eh bien, votre femme, elle va peut-être, ou votre partenaire, il va lui falloir peut-être plus de temps. C'est pas forcément super spontané. Elle aimerait, une grande partie d'elle aimerait vous le dire, mais il y a cette retenue, cette pudeur parfois. Son statut de mère qui peut être compliqué d'aller dire sexuellement ce qu'on veut. Si le couple est là, par exemple, depuis de nombreuses années, eh bien, l'injonction de la mère, n'oubliez pas qu'il y a encore cet inconscient collectif, c'est soit mère, soit putain. Hein. Donc, si je dis ce que j'aurais envie sexuellement, comment mon mari va me regarder ? Donc, amenez-la à pouvoir se confier, prenez du temps et soyez même, j'ai envie de dire, induisez-lui des idées en disant, lui pense ça, moi aussi, je vais peut-être pouvoir lui dire. Donc, aidez-la. Aidez-la. Voilà.